Bonjour, donc la présente vidéo est là pour montrer comment on peut faire une conversion analogique numérique et par exemple capturer une température et l'afficher sur un afficheur LCD. Donc l'environnement, on va travailler sous Proteus, donc je vais faire toute la démarche. Donc là, on va créer un nouveau projet. Donc le nouveau projet, on l'appellera conversion analogique CAN, hein, conversion analogique numérique. Et puis ensuite, on travaillera sous Flowcode V8, hein, pour faire la partie programmation et la partie conversion analogique numérique. On va l'appeler le CAN, conversion analogique numérique. Voilà. On va le mettre document schéma Proteus. Donc là, vous le mettez sur le bureau par exemple. Donc on va créer un schéma. On ne crée pas de circuit, hein, de circuit dans le sens de circuit imprimé et pas de firmware non plus. Donc on va travailler avec un. On va aller chercher le composant. Donc on va aller chercher un PIC 18F452. Ah, pourquoi celui-ci? Parce que c'est celui-ci qu'on a sur une carte multifonction qu'on utilise. Voilà. On va mettre le power, le master clear pour le dévalider. On le met à VDD, hein, toujours, hein, autrement le programme reste sur début dans Flowcode. Voilà. On va utiliser un capteur de température, donc un LM35. Voilà, un petit capteur de température qui délivre généralement 10 millivolts par degré Celsius. Donc on va mettre un voltmètre, mesurer la tension. On va rentrer sur l'entrée analogique à N0. Donc on alimente l'alimentation, généralement on l'alimente en 5 volts, hein. Donc là on va l'alimenter en VDD. Donc le VDD c'est 5 volts, hein, pour ce sera important pour l'étage de conversion. La masse pour le voltmètre. Voilà. Donc on peut l'exclure de la simulation pour voir un petit peu ce que ça donne. On devrait avoir 270 millivolts là sur le voltmètre. Voilà, on a 0,27, hein, donc ça correspond bien. Puis quand on augmente, vous voyez, hein, si on a 40 degrés, ça fait 400 millivolts, hein, 0,4 volts. Donc l'objectif, c'est de récupérer cette tension sous forme numérique et puis de la traiter. Là, on va mettre aussi maintenant un afficheur, un LCD, un de. Voilà, celui-là, c'est un 2 x 16 lignes, 0,32. Voilà. Donc il est en mode 4 bits, hein. Donc le power, le PDD. Décaler un peu en dessous là. Donc à la masse pour le BSS. Et puis pour le VE, le VE, on va le relier avec des. C'est pour régler le contraste le VE. On va mettre le read-write à la masse, hein, c'est-à-dire qu'il est en write, forcément write. Donc des 0 à la masse. Et 1 à la masse. Donc on est en mode 4 bits, hein, c'est-à-dire qu'on pilote les bits de poids fort. On va utiliser le port D, voilà, pour piloter. Sorti.
Donc sur le schéma, comme ça, vous verrez toute la démarche, si vous voulez le refaire. Voilà. C'est peut-être un peu long au niveau vidéo, mais l'avantage, c'est qu'on a toutes les informations. Donc là, on va l'appeler RD0. RD1. RD2. RD3. RD4. RD5. RD6 et RD7. Voilà. Donc là, c'est des entrées. Bon, c'est ce qui est important, c'est surtout les labels, hein. Que ce soit une entrée ou une sortie, c'est le nom qui. Donc c'est le sortie du microcontrôleur. Donc clic gauche, clic gauche. Donc on va utiliser alors RD4, on va utiliser RD7, comme ça ce sera plus simple pour trouver. RD7. Donc quand vous les avez tapés, après vous pouvez plus vous avez juste les récupérer. Vous n'êtes pas obligé de les retaper une deuxième fois, hein, parce que comme ça a été tapé une première fois. Vous l'avez dans le menu déroulant. Puis celui-là, on va l'appeler RD3. Et puis RD2. Si vous l'utilisez avec la carte multifonction du lycée, il va falloir vérifier hein, pour le RS Enable. Voilà. Donc on peut simuler. Hein, donc là, on exclut la simulation. On peut simuler. On va voir s'il s'allume. Voilà, il s'allume. Voilà. Bon, donc on n'a pas de données pour le moment. Hein. Voilà, donc l'objectif, hein, c'est de récupérer l'information de température sous forme analogique, hein, 400 millivolts ici, la convertir et puis de l'afficher. Voilà, voilà, alors toute la démarche. Donc là, tout est prêt au niveau du schéma, hein, y a rien de plus, hein. On a une entrée analogique à N0. Et maintenant, on va faire le flow code. Si on peut regarder ici, on est à 8 mégas, hein, de mémoire sur la carte multifonction. On va se mettre à 8 MHz. Voilà. Et maintenant dans flow code, donc nouveau projet. Donc on va l'appeler CAN, hein, conversion analogique numérique, LM35, on va rajouter ça, hein, mais ça permettra d'avoir de l'information. Alors on verra qu'on peut convertir sous 8 bits hein, ou sous 10 bits. Hein. Il faut savoir que le PIC 18F452, dedans vous avez un convertisseur 10 bits. Donc voilà, 18F452, bon, on me propose que j'ai déjà fait des projets avec. Bon, description du projet, voilà. Là, on va sélectionner notre 8 mégas. Configurer, donc limite de configuration. Donc là, je suis à 8 mégas, donc je suis en high speed. Puis je dévalide tout le reste, hein, surtout le chien de garde. Voilà. Ok. Voilà. Donc voilà mon programme. Hein. Donc je vais d'abord aller chercher mettre mon afficheur. Voilà, mettre mon afficheur. Voilà. C'est un 2x16 LCD générique. Donc, je vais l'ajouter au panneau. Voilà, je suis en 3D là. Bon, je vais l'ajouter au panneau 3D. Voilà. Petit zoom. Je vais faire les connexions. J'ai pas dû le sélectionner. Propriété. Alors. Donc là, on est sur Data 3. Donc nous, on est sur le port D. Donc D7. D6.
ici 5. Et puis alors le enable, je sais plus. Donc le enable c'est RD3, puis l'autre c'est RD2. Le enable c'est RD3. 3 et l'autre register select c'est RD2. Voilà. Voilà. Donc on va enregistrer le fichier, enregistrer sous, on va le mettre dans le on a le schéma Proteus, et puis on va l'appeler conversion analogique numérique LM35, un capteur de température. Voilà. Alors on va faire un petit bout de programme. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher, donc c'est une redoute composant qu'on a posé, donc on va afficher au début. Donc là, hop, on dit. Donc on fait d'abord un clear ou un start d'abord, peut-être un start pour le fonctionnement. On fait un clear, effacer l'afficheur, et puis on fait on va écrire quelque chose. On va se mettre en curseur en 0 0. Alors 0, ça c'est l'axe X. 0 sur l'ordonnée. Alors ça veut dire que c'est où ça, que je vous explique. On va fermer ça. Voilà. Le 0, 0, c'est ici. Donc ça c'est 0, 0, 0. Après c'est. Ce qui est donné, c'est d'abord X. Donc là c'est 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, etc. Jusqu'à 15, 0. X qui est en premier, et là quand on passe en Y, Y il vaut 1 ici, hein, c'est la deuxième ligne, Y égale 1. Donc si je veux sauter une ligne, je mets 1, 1 sur Y, puis 0, donc 0, 1, 0 égale, X égale 0 et Y égale 1, c'est ici. Donc on va afficher du texte, voilà, on va afficher, donc on a un curseur 0, 0, on va afficher du texte, print string, donc entre guillemets, donc on va capter, on va marquer température. Voilà. Alors ça permet de, en fermant les guillemets, ça va permettre de, voilà, si on simule, voilà, température. Puis on, ça, ça remettra en dessous de la température. Puis on va marquer, ainsi, degré C. Hein, on va mettre la valeur numérique, 1, 2, 3 sur 8 bits. Bon, degré C, on le mettra plus tard. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler. Et puis on va vérifier notre schéma, voir si notre schéma déjà il est correct, hein, si on a bien température d'indiquer. Voilà, je suis dans mon Proteus. Je vais chercher mon fichier. Donc là il n'est plus exclu la simulation. Je vais chercher mon fichier. Alors normalement, il peut être par là. Voilà, prends le HEX, ouvrir. OK. Et on va voir le résultat. Température. Bon, donc ça colle bien. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Puis on va afficher la température. Donc on va afficher la valeur numérique d'abord. Et puis après, on fera un petit calcul pour avoir la température. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre une boucle. Hein, une boucle infinie. Alors vous voyez que ça, c'est fait une fois. Hein. Puis après, je mets ma boucle. Alors je vais aller chercher une entrée analogique. Donc pour faire une conversion analogique numérique, si je regarde ici, j'ai une entrée AN0, une entrée analogique. Donc je vais chercher une entrée, donc c'est un potentiomètre, moi je prends celui-là par exemple, panneau 3D, voilà, mon potentiomètre, c'est, voilà, ça correspond à mon capteur de température. Alors je vais sélectionner, propriété, et là je vais le mettre sur AN0, ah, voilà, il l'a mis sur AN0, c'est le premier. Hein, voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que la tension de référence, c'est VDD, hein. Parfois vous pouvez modifier, vous pouvez prendre, là ça sera une tension de référence sur VRF+, hein. Alors VRF plus, il est où? Il est là. Là, VRF plus, vous voyez, vous l'avez ici. Hein, donc ce serait à mettre ici, hein, si vous voulez une tension de référence différente de l'alimentation. Là, j'ai pris l'alimentation VDD. Et on voit que, donc à ce moment-là, c'est 5 volts. Alors maintenant, comment ça va fonctionner? Alors, là, la tension de référence, c'est 5 volts. Ça veut dire que là, j'ai un convertisseur 10 bits. Donc 10 bits, ça va de 0 à 1023.
Donc c'est-à-dire que le quantum, c'est-à-dire la plus petite variation, c'est 5 volts. Donc je fais le calcul, 5 volts divisé par 1023. Et ça me fait 4,88, bon 4,89 millivolts. Donc c'est-à-dire que dès que j'ai 4,89 millivolts, où ça? Bah, ici, sur l'entrée analogique, ça fait 1. Si j'ai 4,89 fois 2, c'est-à-dire si j'ai 10 millivolts par exemple, eh bien j'aurai une valeur numérique de 2. Donc on va dire 5 millivolts, hein, donc c'est-à-dire que si j'ai 20 millivolts ici, eh bien donc là, si j'ai là j'ai 400 millivolts, donc j'ai 410 millivolts divisé par 4,89 millivolts, ce qui fait que j'aurai une valeur numérique de 81. Donc là, on va commencer par faire ça, faire la conversion analogique numérique. Donc, je vais chercher une routine. La routine, moi, c'est mon potentiomètre. Donc, je lui dis, bah, tu me donnes. Alors, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Là, je vais te dire, tu me donnes un entier. Get integer. Voilà. Donne-moi un entier. C'est-à-dire que, on peut faire aussi une conversion, un moyen âge, hein, get average integer. Donc, il fait plusieurs mesures et puis il fait une moyenne. Donc là, on va faire qu'une seule mesure. Hein, voilà, getIntegr. Donc on met ça dans quelle valeur? Bon, on va créer une variable. On va l'appeler ajouter vers nouveau. On va l'appeler température. Alors, il faut savoir que la température, donc si vous la définissez sur un octet, vous aurez que 8 bits. Maintenant, là, le convertisseur analogique numérique, il est sur 10 bits. Donc on va prendre un entier. Voilà. Voilà, ok. Donc là, je récupère, voilà, et puis, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais l'afficher en direct. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, je vais l'afficher en sur la ligne en dessous de la valeur numérique. Donc, elle fait 1023, 1, 0, 2, 3. Donc, ça fait, c'est ici. Donc, je vais sauter une ligne. Curseur, donc je vais sauter une ligne, je vais en 0, ouais, on va se mettre en 1, 1, comme ça on va se décaler un petit peu, 1, 1, donc c'est-à-dire que là je vais me mettre ici. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord je vais effacer, parce que ça veut dire que quand vous allez de 0 à 1023, quand vous allez venir en arrière, après quand vous avez diminué, il faut effacer ce que vous avez écrit. Donc on va effacer. Donc on va effacer. Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Une méthode basique, c'est d'effacer l'espace qu'on a écrit. Alors, donc je vais mettre un espace. 1, 2, 3, 4. 1023, moins 5. Voilà. Donc j'efface. Et puis, j'écris. Je vais écrire la température. Donc je vais écrire. Une print screen, hein, on doit avoir un number plutôt, c'est un nombre. Donc l'entier, bah, c'est moi ce que je vais écrire, c'est la température. Je l'ai pas pris. Voilà, ok. Et puis bien sûr, j'ai effacé, j'ai écrit la température. Si je veux avoir de la rémanence, il faut que je mette un petit délai qui fait que je vais rester plus longtemps sur l'inscription de température. Donc je vais mettre 10 millis, 100 millisecondes. Voilà. Voilà. Donc c'est-à-dire que je ferai une mesure toutes les 100 millisecondes et puis je reste et j'indique la température ici, à partir de là. Donc on simule. Ah, je me suis trop décalé. Alors, curseur. Donc là, la température. Arrêter. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai mis comme curseur? X. Bon, je vais mettre en 0 à ce moment-là. Ah oui, parce que j'ai pas remis. Non, moi je mets en 1. Mais j'ai pas remis après quand j'écrivais en 1. Donc faut que je remette. Ctrl-C, Ctrl-V. Donc quand je vais écrire la température, je remets le curseur. Voilà, au même endroit. Parce que là, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé. Puis j'ai écrire tout le long. Donc là j'écris 314 et j'augmente jusqu'à 1023. Puis après quand je diminue, ça fait 0.
Voilà, donc là j'ai la valeur, donc je vais compiler. Voilà, je vais dans mon programme, je fais stop. Bon, j'ai pas besoin de rechercher le fichier, hein, juste à refaire play. Voilà, donc là j'ai 47, vous voyez, 82. Voilà, et puis si j'augmente, tout à l'heure j'ai dit que j'avais 81, vous voyez, donc je suis jusqu'à. Je sais pas si j'irai. Parce qu'il faudra aller jusqu'à 5 volts, capteur de température, 5 volts, ça fait oui, jusqu'à maximum. De toute façon, il va jusqu'à 150 degrés au maximum, donc 1,5 volts. Donc je vois que pour 1,5 volts, c'est-à-dire 150 degrés, je suis marqué 308. Donc maintenant, il faut que j'affiche la température. Alors, qu'est-ce que l'on a? On sait que pour 10 mV, pour 1 degré Celsius, on a 10 mV. Donc 10 mV, ça fait 1 degré Celsius. Et moi, en fin de compte, quand je fais calcul 5 volts divisé par 1023, ça me fait 4,89. Donc grosso modo, hein, 4,89, grosso modo, il faut que je divise. Alors si je veux faire un calcul précis, hein, pour afficher la température, je vais faire un calcul. La température, ça c'est ce que j'ai récupéré. Donc on va faire une nouvelle variable. Donc on va faire en degrés. Température temp en degrés. En sans accent, hein, mieux. Donc là, on va faire un entier. Ouais, on pourra même prendre celui-là si on fait un calcul assez long. Ouais, parce qu'on n'est que positif. Voilà. Alors, bon, non, parce qu'on peut le prendre plus petit. Bon, c'est pas grave. Donc le calcul. Donc la température en degrés, c'est égal à quoi? C'est égal à la température, à la valeur. La température. Donc, si j'ai 10 mV, ça fait 1 degré. Donc, si je divise par 10 mV par 4,89, ça me fait 2,04. Donc, il faut que je multiplie par 204 et que je divise par 100. Voilà, ça fait 2,04. Alors toujours prendre des valeurs entières, hein, on ne peut pas mettre des virgules. Hein. Donc là, en fin de compte, c'est comme si je multipliais par 2,04. Alors, donc la température, je multiplie. Donc si j'ai 10 mV. Donc là, il faut que je multiplie par 100 et divisé par 204. Divisé par 204, c'est l'inverse. Voilà. Donc ça c'est la température et il va falloir que je l'affiche. Donc là j'affiche la valeur numérique, puis la température, je vais l'afficher un peu plus loin. Hein. Je vais prendre tout ça là. Puis je vais le recopier. Bon, on va faire en étape. Donc d'abord, je mets un curseur. Le curseur, je vais le mettre. Suis trompé, j'ai mis une macro, c'est une fonction. Moi, je peux prendre celui-là, ça me permettrait de prendre les deux. Celui-là, CTRL-C. Alors. Donc je vais mettre sur cette ligne-là, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais me mettre au bout là, ici. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je me mets en 11. J'efface là. Alors, peut-être pas effacer trop. Voilà. J'efface. Là j'efface et puis là je vais recopier ça. CTRL-C,
soulever. Donc là, je vais en 1,11. Et là, je vais afficher, au lieu de la température, je vais afficher la température en degrés. Voilà. Ok, on fait un play. Donc 1024, ça fait 105 degrés. Voilà, ça fait 1023, ça fait 105, 101 degrés. De toute façon, moi, j'irai pas au-delà de 150. Hein. Voilà. Donc là, il y a plusieurs méthodes pour effacer les données. Hein. Si vous ne les effacez pas, en fin de compte, vous allez avoir de la rémanence. Vous allez laisser choses affichées. Donc si vous allez jusqu'à 1023, puis vous revenez à 0, là vous aurez mis un 0, mais il n'effacera pas les 1, 0, les... Donc vous aurez 1020, en fin de compte, au lieu d'avoir 0. Donc voilà. Donc maintenant on va compiler. Et puis on va lancer le programme. C'est parti. Donc là, en fin de compte, c'est 150 degrés, c'est bien ce qu'on a affiché là. Donc on voit qu'on a un petit delta de... Hein, si on se met à 100 degrés. Alors après, on peut ajuster 100 degrés. Alors après, quand vous voulez calculer, vous pouvez faire comme ceci. Hop. Éditer, probabilité, là vous marquez 100 degrés. Voilà. Puis vous faites play. Maintenant, allons devoir avoir 100 degrés d'affiché. Et ben on a 100, pile poil. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez afficher le degré, bien, vous le faites dans le programme. Vous le faites au démarrage. Voilà. On va afficher. Donc on va aller en curseur. Donc en X, on va mettre DEG. Donc on va se mettre DEG. Donc 16, 15, 14. Donc on se met en 14, 1. Et puis on affiche. Donc print screen. Hein. Voilà. Entre guillemets. Et chez degré. Si on fait play, est-ce que ça dépasse pas? Ah, il y a un truc que j'ai pas bien fait. Alors, curseur, où est-ce que j'ai mis 14 Y? Alors, on va se mettre en 13 alors. Ça ne va pas. 13 DEG print string. Donc je suis pas assez loin, il faut que je me décale parce que je dois l'effacer. Alors on va se décaler un petit peu, on va pas se mettre en 11, on va se mettre en 9. Donc on affiche le degré et puis là on fait quoi en 9 peut-être qu'on a un peu trop de ouais on fasse un peu trop voilà puis si on augmente voilà, très bien. Voilà donc on compile. Bon, la gestion de l'affichage peut être faite, il y a plusieurs possibilités. On peut faire des calculs autorisés avec des conditions d'affichage, mais pas autoriser l'affichage. Hein. Voilà, donc là, on a 100 degrés. Voilà, donc on n'est pas tout à fait des... Donc ça doit être un plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, il y en a plus que 16. Donc là, nous, c'est un 2 x 16. Hein. Donc là, on a 100 degrés. Et puis, donc, si je monte à 101. Donc là on a vu la conversion analogique numérique. Alors pour revenir sur le calcul, hein, le calcul hein, que j'ai fait hein, pour récupérer les degrés. Hein. Donc comment il est calculé hein. Donc le 204 il est calculé comment? Ben, en fin de compte, moi j'ai pour un degré j'ai 10 millivolts, donc je fais 10.
divisé par 4,89, mon quantum, 4,89, et ça me fait 2,04. Hein. Donc là, maintenant, si je veux faire un calcul, en fin de compte, je devrais diviser par 2,04. Alors, je ne peux pas diviser par 2,04, parce qu'en fin de compte, je ne peux pas mettre de virgule. Donc, faire fois 100 et diviser par 204, c'est comme si on divisait par 2,04. Hein. Si je veux quelque chose de plus précis, hein, je peux faire fois 1000 et diviser par 204. Donc là, c'est 2,04 4,5. Voilà. Et là, je suis plus précis. Mais après, il faut faire attention de ne pas dépasser la capacité de la variable. Hein, parce qu'on a une variable qui vaut 65 536 valeurs. Donc si on dépasse la capacité de variable, bah, ça va faire n'importe quoi. Hein. Voilà. Donc là, je fais 10 fois 100 divisé par 204. Déjà, ça me fait une bonne précision. Hein. Donc voilà comment on peut réaliser une conversion analogique numérique. Hein. Donc on a une tension analogique et une valeur numérique. Et là, elle est recalculée pour afficher en degrés. Voilà, bonne fin de journée. Au revoir.